Ce matin, vous êtes pour Hébert. Alléluia. Je voudrais avertir ceux qui viennent pour la première fois, ça vous était certainement invité. Pouvez-vous nous faire un signe de la main? Juste, nous voulons vous dire bonjour à mon Seigneur. Si vous avez été invité, bon, je constate qu'on est tous de la maison, gloire au Seigneur. Je voudrais ici saluer présente notre frère Pasco, qui est là, avec le Dieu de bénir. Nous saluons aussi la présence du président du Rive, le pasteur Serge Rambia. D'intercession mondiale. Il est au Gabon pour les vacances, on va dire ça comme ça, hein, pour les vacances, sinon il demeure à Paris. Et je lui écoute, viens me bénir ce matin. Non, je voudrais juste manger, je dis ok. Mais il ne repartira pas sans pourtant qu'il vienne me bénir ici. Alléluia. Même s'il a réservé le vol à Air France, au nom de Jésus, les ordinateurs vont faire disparaître ton nom. Comme je ne vais pas venir enseigner. Voilà. Donc, alors, c'est un frère bien. Nous nous connaissons. Nous sommes ensemble. Depuis là, depuis 16 ans, je crois que ça. 16 ans. Donc, on est dans la cinquantaine. On est en train de prendre de l'âge ensemble. Et on s'est converti au même jour. Même jour qu'on s'est converti, on a donné notre vie à Jésus. Et jusqu'à maintenant, nous continuons à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Donc, au ciel, donc, en dehors de la maison de mon épouse, qui sera de la mienne, lui aussi aura sa maison. Voilà, dans le delà. Voilà. Ça, c'est la demande que je vais faire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bienvenue ce matin, je voudrais vivement vous éviter. Je voudrais aussi vous dire que pour notre sœur Gisèle, du côté de l'hôpital, ça va. Comment Dieu est au contrôle. Comment Dieu est au contrôle. Alléluia. La main du Seigneur est sur notre sœur. Et à la fin du culte, j'aurai l'occasion de faire un peu plus de commentaires là-dessus. Mais ce qui est vrai, Dieu entend nos prières et sa restauration, sa guérison, comment se fait promptement par rapport à la dimension vraiment de l'attaque qu'elle a reçue. Quand on voit les prouesses de Dieu, on dit Dieu est béni, Dieu est grand du tout. Alléluia. Voilà au Seigneur. Église du Seigneur, ce matin, vous savez, notre responsabilité en tant que berger, c'est
Le berger, c'est celui qui veille sur le troupeau. Le berger protège le troupeau. Le berger instruit aussi le troupeau. Le berger fait en sorte que le troupeau soit totalement équipé pour être capable en fait, de se défendre contre les dangers extérieurs, même les dangers intérieurs. Alléluia. Donc, il est toujours utile. Vous savez, lorsque nous disons que ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on est avec le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas rencontré des obstacles en chemin. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas rencontré, en fait, des pièges en chemin. Mais à cause de la connaissance que nous avions, nous avons su esquiver les pièges. Quand Jésus dit que large est le chemin, large est la porte, et le chemin qui conduit, en fait, à la perdition, mais étroit est le chemin qui conduit à la vie éternelle, Jésus ne va y pas. Donc, vous avez besoin d'avoir l'équipement possible. Parce que nous avons accepté Jésus. Je leur dis toujours, moi j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai abandonné le monde, c'est pour aller au ciel. Et nous avons accepté l'appel du Seigneur, c'est pour que tous autant que vous êtes, nous y entrions tous. Alléluia. Donc il ne faudrait pas, il ne faut pas qu'on perde l'objectif. On ne va pas perdre le but pour lequel on s'est donné au Seigneur. On ne va pas perdre le but pour lequel on a abandonné les plaisirs de ce monde. On ne doit pas oublier pourquoi. Donc, ce ne sont pas des simples rencontres. Ce n'est pas un club que nous formons. Non. Nous sommes retrouvés, nous regroupons autour d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus, le Dieu puissant, le Dieu vivant, notre libérateur. Amen. Mais comprenez que autour de notre idéal, je peux le dire ainsi, ou de notre objectif, il y a aussi les ennemis de notre salut. Est-ce qu'on peut répéter les ennemis de notre salut? Les ennemis de notre salut. Oui. C'est pourquoi si la Bible ou si Jésus a pris le temps d'en parler, si l'apôtre Paul a pris le temps d'en parler, il est aussi important que nous en parlions parce que ce que la Bible dit, nous devons en fait y veiller et demeurer dans ce que la Bible dit. Ce matin, je voudrais vous instruire sur comment reconnaître un loup dans l'église ou hors de l'église. Est-ce qu'on pourrait peut-être comment reconnaître un loup? Dans l'église ou hors de l'église? Parce qu'on ne vit pas dans l'église. Comment reconnaître un loup? On en a rencontré, hein? Mais comment reconnaître? Comment reconnaître un loup? Comment reconnaître un faux frère, une fausse sœur? Comment reconnaître un agent du diable? Parce que les loups sont des agents du diable. Les loups aiment bien les brebis. C'est l'une de leurs chairs, l'une de leurs viandes les plus appréciées. Comment reconnaître un loup à Ephrata? On ne va pas d'abord loin à Ephrata. Comment reconnaître une louve à Ephrata? Comment reconnaître un loup dans votre milieu professionnel? Comment reconnaître un loup pour ceux qui apprennent au lycée, au collège, à l'université, dans les écoles supérieures? Comment reconnaître? N'oubliez jamais la connaissance. J'ai lu dans notre l'écriture dit, mon peuple périphore de connaissance. C'est imposé. Mon peuple périphore de connaissance.
Si tu ne connais pas que ça c'est un piège, tu tomberas dans le piège. Je me souviens quand j'étais gosse, quand j'allais à la plantation avec ma grand-mère, pendant qu'elle faisait les plantations, moi j'étais dans un coin, je faisais mes petites des pigeons. Et au niveau du piège, je mettais des graines d'arachide. Donc pour le pigeon, il pense que cette graine-là, elle est là par hasard. Elle est là pour le nourrir. Mais le pigeon ne sait pas que là, là quand je vais mettre mon bec là-dessus, je vais être pris au piège. Donc, il y avait un déguisement qui faisait croire au pigeon que cette graine d'arachide est là par hasard. Donc, ça veut dire quoi? Allons-y ensemble dans Acte 1, le 28 à 30. Bien-aimés, nous vivons dans un monde assez superficiel aujourd'hui. Il y a plus de superficialité, il y a plus de déguisement. Nous sommes dans Acte 20, Acte 20, versets 28 à 30. Et ce qui fait que si on n'a pas la connaissance qu'il faut, si on n'a pas l'équipement qu'il faut, facilement on peut passer à côté de tout ce qu'on aurait en fait mis, de tout ce qu'on aurait sacrifié pour suivre Jésus. L'apôtre Paul, au soir de sa vie, il dira ceci dans Acte 20, verset 23. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Il s'adresse à qui? Aux dirigeants de l'église ou des églises. Il s'adresse aussi au peuple du Seigneur. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Je voudrais vous dire que vous tous qui êtes là assis, si vous êtes là ce matin, c'est parce que le sang de Jésus a tenu compte de votre péché, ou de vos péchés, de nos péchés à tous. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là parce que vous aimez le pasteur Justin, vous aimez le pasteur Muriel. Mais vous êtes là, c'est à cause d'amour de Jésus, du prix qu'il a payé à la croix, de son sang qui a coulé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, connaissant la valeur du prix d'une âme, il dit, prenez garde. Et le verset 29 dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas nos troupeaux. C'est-à-dire déjà, le loup par nature est cruel. Mais il n'a encore précisé des loups cruels. Qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il se lèvera au milieu de vous, des hommes, on dira aujourd'hui des femmes aussi, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Ici, c'est un doyen, c'est un père, un patriarche de l'Église qui parle. Qui a ouvert autant d'églises et qui connaissait les enjeux, les dangers qui étaient, la communauté qu'il avait. Je reviendrai là-dessus. Galates 1, verset 6 à 7. Galates 1, verset 6 à 7. C'est toujours l'apôtre Paul. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens, des loups, des faux frères, des faux sœurs. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser
l'évangile de Christ, c'est l'évangile qui a été parti en vous, il y a des gens au milieu de vous qui veulent renverser cet évangile. Ici, c'est Paul qui parle. S'adresse à l'église de Galatie. Comme aujourd'hui, je m'adresse à l'église des Pâtres. Quand nous allons dans Galates 3, verset 1, la version du second dit ceci. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Cette même version, quand je la lis, ce même passage plutôt, quand je le lis dans la version BFC, dit ceci. Oh, Galates insensé, qui vous a ensorcelé? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Nous ne sommes pas épargnés de ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Bien-aimés, de la même manière, je me souviens, comment je dis que au village, comme toi tu n'es pas villageois, moi je suis parfois villageois. Je me souviens quand il était parfois vers les 16-17 heures, on voyait des éperviers. Un épervier, il vient de Sion au ciel. Mais encore ici, on l'a, il sait qu'il y a une boule en bas. Il y a un corps. Il y a un coussin. Tu as vu ça? Non, moi, je sais ça. On t'appelle, tu n'as pas vu ça. Donc, quand l'épervier, quand il atterrit la femme, il est en vitesse. Et les mamans, les grand-mères, tous, elles ont des stratégies pour protéger quoi? Pour protéger, en fait, leur. Donc, le coussin, la paire, pour tout, il faut protéger. Si elle ne le fait pas, quand les perdait, quand il fonce là, il ne rate pas la cible. Tout de suite, c'est la poule qu'il prend, parce que le poussin pas, et puis il remonte. C'est le dernier, il est parti. C'est pour dire quoi? Je prends ces exemples naturels pour dire que s'il manque, si nous manque de la prudence, les loups existent. Les loups sont une réalité. Et les loups sont là dans le but de ravir les brebis. Le psaume 23 dont parle David, le roi David, bon, à l'époque il est encore un jeune berger, quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Bon, c'est David avant qu'il soit roi, il a été d'abord un berger, car le troupeau de son père, etc. Il a une expérience de ce que le loup peut faire. Alléluia. Bien-aimés, le danger des églises, ou de l'église, parce qu'il n'y a pas plusieurs églises, il n'y a plus que l'église de Christ, mais il y a plusieurs communautés. Le danger de l'Église aujourd'hui, le danger de l'Église comme dans le temps de l'apôtre Paul, ce sont les loups. Même nous les bergers, nous les pasteurs, il y a aussi des loups déguisés en collègues pasteurs, en collègues prophètes, en collègues apôtres. Le danger qui vous guette, ce sont des loups déguisés en faux frères, en faux sœurs. Ce danger. Et chaque jour, vous êtes confrontés, vous serez confrontés à cela. C'est pourquoi nous devons vous instruire. On ne veut pas ici, en fait, créer une vie de suspicion dans vos vies, mais plutôt réveiller ce que j'appellerais le discernement. Alléluia. Amen. Le discernement. Sortir de la naïveté. Amen. Combien de chrétiens sont naïfs?
Et d'ailleurs, nous sommes les plus naïfs. Bien-aimés, lorsqu'un loup vient vers une brebis, il ne dévoile pas sa nature. Quand un loup est dans l'église, quand une louve est dans l'église, il ne révèle pas, il ne dévoile pas sa nature. Et il ne dévoilera pas sa nature jusqu'à ce qu'il soit dépouillé. Il ne dévoilera pas ses motivations. Parce que le loup se déguise toujours. Jésus nous en a parlé. Allons-y dans Matthieu 7, verset 15. Lui-même, le maître, a parlé dans Matthieu 7, 15. S'adressant à ses disciples, il dira ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Il s'adresse à qui? Aux disciples. Gardez-vous des faux prophètes. Il s'adresse à qui? À la foule. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, en vêtements de grands prophètes, en vêtements de personnes qui ont l'onction pour prophétiser en tout temps. Mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs qui sont en train de parler. N'est-ce pas Jésus? N'est-ce pas notre maître? C'est lui qui parle. Les loups n'ont rien à faire avec des églises qui vivent dans le compromis. Les loups n'ont rien à faire avec des églises qui ne marchent pas dans la vérité. Les loups aiment des églises qui prêchent la véritable parole, donc comme la nôtre. Ça veut dire qu'ils sont là. Le veut.